Salut, je m'appelle Sam Sophie, je suis artiste plasticien et je réalise des photographies en intégrant un petit peu du Lego à l'intérieur. D'accord, et pourquoi choisir ce pseudo ? Sam Sophie, parce que je m'appelle Samuel Sofiane, tout simplement. J'ai pris les trois premières lettres de mon nom de famille et les trois premières lettres de mon prénom. D'accord, tout simplement. Et comment ça t'est venu ? Peut-être les Lego en premier, la photographie, peut-être une passion ? Je faisais beaucoup en fait de photographie de roller acrobatique à une époque où je travaillais parallèlement dans une ludothèque. Donc à partir de là, j'ai commencé à réaliser, disons, la communication interne de ma ludothèque. Et voilà, j'ai commencé à manipuler des jouets, etc. pour pouvoir faire de belles affiches. Et finalement, j'ai jeté mon dévolu sur le Lego parce que je trouvais que le personnage était plutôt intéressant. Et donc tout ça, tu le fais en studio, tu le fais chez toi, dans la nature ? C'est un peu des deux en fait. Quand je peux pas forcément me déplacer parce que je suis bloqué à la maison, je fais ça en studio. La plupart des fois, je préfère la nature parce que la lumière naturelle est bien plus intéressante. Et puis justement, dans la nature, on peut retrouver des aspérités sympathiques telles le béton, le bois, etc. Forcément, je peux pas retrouver en studio. Quoi. Sur quoi j'imprime mes tableaux ? Mes tableaux, en fait, j'ai tendance à les imprimer, donc c'est un tirage satiné contrecollé sur des panneaux de bois. J'ai fait ça parce que, en fait, actuellement, donc, j'expose dans un peu l'univers street art. Je trouve que pour commercialiser justement une photo, et surtout des photos comme les miennes où on peut retrouver différentes matières, je trouvais que le béton c'était quand même assez palpable comme produit. On est plus sur de la photo mais plutôt du tableau. Et ta préférée c'est laquelle ? Généralement c'est celle que j'ai pas encore faite. Donc effectivement sur Instagram samsophie.s ou sur Facebook à Lego by Samsophie. Voilà. L'association Freelog a été invitée par l'association Luguest à ramener un petit jouet, une toute petite fusée, que nous avons montée durant près de 5 heures avec les élèves de BTS Assistant Manager, première section et deuxième. Donc nous avions des stocks de briques à assembler où les visiteurs pouvaient venir nous aider à monter plusieurs parties. Donc on a mis 5 heures aujourd'hui, on pense mettre un petit peu moins demain. Bonjour, Samuel Pister de l'association Le Guest. Je vous présente l'espace galerie auquel on a contribué sur l'exposition Bricadol. Donc on a souhaité mettre en place sur cette exposition un espace galerie où on présente une vision du Lego un petit peu différente de ce qu'on peut trouver sur les expositions classiques. En donnant de la visibilité aux différentes œuvres sur ce salon. Donc habituellement, les créations qui sont exposées ici sont mises en valeur sous forme de photographies et diffusées sur Internet. Et on s'est aperçu que lors des expositions classiques habituelles, elles étaient un petit peu mises en retrait par rapport aux grosses villes, par rapport aux grosses créations ou les créations mouvement. Et on a souhaité faire un espace un petit peu plus galerie, un petit peu plus musée, où le public prend plus le temps de découvrir ses créations en expliquant un petit peu le pourquoi du comment et tout le processus de création de chacun des auteurs. La mosaïque comporte 157 000 pièces. Elle a été réalisée par la classe des BTS AM2 ainsi que la classe des BTS domotiques, donc c'est-à-dire environ une vingtaine de personnes. Sa construction a duré 2 semaines et elle a été financée par l'association ADECOM, qui est l'association des BTS Assistant Manager. On a pu financer la mosaïque par le biais de ventes de porte-clés Lego personnalisables ainsi que de ventes de chocolat. Après le salon, la mosaïque sera donc exposée à la collégiale de Dole afin que tout le monde puisse l'observer.
Et voilà, Bricadol, c'est terminé. L'exposition a réuni plus de 6000 personnes. Nous sommes heureux d'avoir participé à cet événement qui est une première à Dole. Merci au public d'avoir répondu présent et à la prochaine édition. Salut Dominique. Bonjour. Ton week-end s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Oui, fatigant mais satisfaisant. Ouais, je me sens bien. Bon alors dis-moi tout. Pour faire simple, qu'est-ce que c'est Bricadol ? Bricadol, c'est le nom de l'exposition Lego qui vient de se dérouler à Dole. Par rapport à ça, donc, on a un poste assez imposant, un monde impressionnant, il y a eu beaucoup beaucoup de monde, on l'a bien remarqué. Tu dirais à peu près combien de visiteurs sur les donc, sur le nous avons accueilli 7000 visiteurs sur 2 jours, ouais. Avec des pointes à 1600 personnes en même temps dans les 1500 mètres carrés. D'accord, ce qui fait quand même une personne par mètre carré. Oui. Assez impressionnant. Oui. D'accord. Et donc par rapport à ce week-end, toi, ton ressenti global, ton bilan personnel, tu... Alors, extrêmement satisfaisant d'avoir pu réunir des exposants venus de toute la France et de Suisse, ouais. D'avoir eu des bénévoles par les classes de BTS du lycée Pasteur Morland, oui, qui se sont énormément investis et qui vont récolter une part des bénéfices qui vont permettre de pouvoir faire une sortie, un voyage, un resto, et puis aussi pour les associations caritatives pour lesquelles on milite. D'accord, c'est plutôt un bon bilan. Ah, excellent, d'accord. Excellent. Si on avait pu signer dès le départ pour ça, on l'aurait fait, hein, je vous le doute. Et donc, la fameuse question, donc à quand la prochaine? Alors la prochaine, tout le monde me dit l'année prochaine, mais moi je vous dirais plutôt dans 2 ans. Oui. Pour amener des nouvelles fraîcheurs, d'avoir des nouvelles réalisations et ne pas retrouver des réalisations vues cette année qui pourraient lasser le public. Donc en faisant ça tous les 2 ans, ça permet d'avoir encore des choses plus extraordinaires. En effet. Voilà. Bon, écoute, je te remercie Dominique. À très bientôt. Merci. Ça marche.